Chapitre 5. Par-delà, rien et mal. Au lendemain du vaste théâtre de ses passions aux lueurs immuables, qui s'était fatalement évaporé dans les larmes séchées par les vents du temps ennemi, le cœur courbattu, il s'en allait, plus mûri, aguerri, être un peu gâté. Un an d'amour en condensé 20 d'indifférence. Il acheva de gagner en charisme et logos, en se heurtant à la nocivité objective d'un pervers narcissique malvoyant, vaguement producteur audiovisuel et styliste d'origine camerounaise. En subissant, puis s'imprégnant de sa capacité à entrer rapidement dans l'intimité des gens en cernant leur insuffisance, leurs craintes et leurs aspirations. Il promettait de le faire percer en tant qu'acteur dans une série télé. Ce dernier lui assénait des coups de téléphone interminablement épuisants, comme un marathon dans lequel l'arrivée ne serait toujours qu'un mirage, lui garantissait des réussites cinématographiques, des parfums à son effigie, voulait même fumer un joint avec LOL et connaître tous ses secrets car, en un appel téléphonique, il devint son meilleur ami. Pousser la flatterie jusqu'à la caricature par un habile baratinage et chercher à terme à soumettre sa volonté et celle d'un multitude d'oiseaux à la sienne par un jeu psychologique malsain et terriblement efficace. Déraciner son prochain de toutes ses attaches et le greffer à son projet en le vidant de ses propres idées, tarissant le flux de ses intentions, valeurs et préférences. En un mot, l'emprise totale par la supériorité, la vivacité d'un esprit qui recouvre l'autre en se l'appropriant, démantelant une à une les strates du sens de vie qu'un jeune peu solide s'est maigrement bâti, le déconstruisant et l'insérant comme l'un des rouages qui servirait son dessein. Il était aveugle et pourtant voyait l'âme. Rien à voir donc avec le terme vulgaire et galvaudé de pervers narcissique que les gamines en manque d'aventure accolent au front d'un copain jaloux ou infidèle pour donner l'impression qu'elles se frottent de près aux éraflantes turbulences de la vie. Le philosophe instable, jeune encore, fut pris quelques semaines dans l'étreinte de cet être abominable et brillant que la Providence avait déposé sur son passage pour que, telle une éponge, il en draine tout le talent. L'ogre borgne vivait en compagnie de quelques jeunes béquilles qu'il avait réduites en esclavage. Il parlait vite, avec sévérité, ne doutait jamais, imposait ses vues et maniait le mensonge et les semi-vérités avec brio jusqu'à faire culpabiliser ou soupçonner celui qui se mettrait à douter de l'une de ses paroles malgré l'invraisemblance comique de moult d'entre elles. L'ambiance sectaire et tendue pesait en sa présence, ses sbires vidés de leur substance pâlissaient semaine après semaine, leur personnalité s'éteignait, leur corps s'amaigrissait, leur âme s'amenuisait, leur existence ne se manifestait qu'à travers le vouloir napoléonien et les velléités du gourou capricieux qui les avait changés en faibles mammifères dociles en les traumatisant subtilement. C'est-à-dire en insufflant la terreur entre les éloges et les promesses, en alternant les phases de festive complicité et celles d'implicite menace, et en les persuadant de le percevoir comme le moyen de leur gloire future et la nécessité de la convergence de leur destin. Il connaissait leurs fêlures, leurs plaies, les tenait fermement entre sa main et, de l'autre, versait le sel amplificateur de souffrance. À sa guise, il intimidait, déstabilisait, puis cajolait, consolait, câlinait. Assujetti de la plus haute sphère de leur âme à la plus fine composante organique, ils étaient devenus ses jouets, leur esprit,
possédés avaient dû voir leur moi autonome d'antan s'éloigner, comme le rivage se distancie du marin sur l'aventureux bateau. En pensant toujours garder un œil sur le littoral, au cas où rebrousser chemin serait souhaitable. Mais ces petits poussés, par leur confusion, perdirent très vite la vue, en somme comme leur maître, et se laissèrent amener sur le chemin de la servilité, les yeux injectés de terreur, ruinés. Le fond de leur être ne pouvait plus que se raccrocher à leur despote. L'entame d'une manipulation de cette nature commence toujours par la complicité de la victime, qui, bien qu'elle supporte le tempérament pesant du vampire, se convainc de jouer le jeu par intérêt. Mais ce jeu tourne à la soumission si le joueur est dépourvu des ressources suffisantes. Le philosophe, qui ne s'appelait pas encore ainsi en ce temps-là, pensait gérer facilement et contenir l'emprise du sournois producteur emberlificoteur en contentant ses intérêts sans donner de son âme. Ce qui fut rude à faire, mais par sa trop grande autonomie de pensée, par le sang-froid de sa raison, sa capacité de mise en perspective, d'analyse et le soutien de sa famille, il était parvenu à ne pas demeurer bien longtemps le bénet captif de l'éloquent personnage. Ses foucades et sa faconde froissèrent quelques plumes au faucon esprit du fécond philosophe, mais à force de débats, ses ailes perfectionnèrent leur art du vol de la pensée. Mais non pas comme ce dernier, du vol de la pensée d'autrui. Au sortir de sa confrontation brusque et déphasante avec cette étrange créature, il fut un homme chahuté, déboussolé, fatigué, mais considérablement fortifié sur le plan psychologico-relationnel. Ce qu'il comprit, quand il se remit à parler aux dames en débarquant comme un fauve à l'université, avec un aplomb, une confiance, un flow, qui ignorait détenir et qui le surprenait autant qu'il charmait les jeunes femmes de sa région, comme le diraient certaines publicités géniales, il avait intégré cette puissante figure d'autorité en l'ajoutant à son carcan. Capacité à débiter rapidement, prendre les devants dans la discussion, aller droit au but, comprendre et cerner furtivement les besoins des gens, des filles surtout, et savoir se placer en possesseur de ses besoins. Oh malheur! Nous décrivons le philosophe comme un pathétique apprenti, vendeur, baratineur d'école de commerce vaniteux, à peine intelligent et tout juste malin. Il n'en est rien, bien que la comparaison semblerait formidablement bien trouvée quand on sait que l'amour et les relations devinrent un véritable marché. S'étant confronté au pire, dominé des gamines par son logos, était pour lui un jeu d'une simplicité jouissive. Il avait développé cette capacité à montrer une confiance inébranlable et à pénétrer telle une flèche aisément l'intimité d'une personne, à en venir sans détour et pourtant sans lourdeur aux questionnements intimes. Lui qui n'avait plus le temps de niaiser. Une flèche, oui, c'est ainsi qu'il se voyait, une flèche glorieuse d'un arc français, car en France, l'arc triomphe. Pour s'être frotté au siphonneur de cerveau quelques mois, étant témoin des frêles bases de la personnalité des gens et de l'assise bancale de leur existence grêle, il était passé de l'autre côté, du côté de ceux qui savent que le mystère féminin n'est rien que le nom que l'on donne au charisme colossal du galbe superficiel et bien réel de leur silhouette que l'on subit quand on n'est pas au niveau, quand ce don de sensualité ébranle le petit esprit de système masculin et étourdit son étroit mécanisme logique qui fonctionne dans les opérations binaires et froides, mais que la belle animalité féminine a peur et rend impropre à parcourir méthodiquement. Bref.
on n'apprend pas la femme à l'école. Alors, le petit mâle est face à la femme comme un spermatozoïde qui ne percera pas l'ovule. Et pour qui cet œuf restera ésotérique. Parce que la queue n'aura pas fait rentrer la tête. Dans le monde du dehors, c'est la tête qui fait rentrer la queue. Mais il en va de même. Avoir l'esprit de pénétration totale et la mentalité gagnante. Bien entendu, notre reluisant damoiseau, dans sa dualité anti-monolithique, dans son nid indébrouillable complexité, afficher son inébranlable confiance par intermittence avec le spleen et l'asthénie d'insomniaque qui détenait son esprit au moins la moitié du temps et qui s'exposait donc au choix, éclatant comme serein, surhomme, solaire, ou bien souffreteux tel un vampire blafard au teint de lune dont les yeux exténués souvent redoutaient de mirer ses semblables dans les leurs. Un œil qui n'a pas bu le sommeil est un œil qui pleure aisément, littéralement et figurativement. Les hivers congelés se souviennent des stalactites au coin de son regard de givre qui l'eût arraché du cantus externe de l'âme. Du cantus externe de ses yeux pour aller chatouiller son cœur et mourir poignardé par ses larmes de l'âme. Entrant ainsi de la plus belle manière qui fut possible de concevoir dans l'apaisant sommeil d'éternité. Si sa mammiférité désirante et dalleuse organicité ne l'avait point retenu, se posant en tuba oxygénateur du fleuve styxéen, sur lequel la fable incarnée de sa jeunesse voguait. Par sa singulière disposition physique et psychologique, ses épisodes de triomphe euphorique et ceux d'infortune qui feraient pâlir jusqu'au bipolaire de métier. Il vivait de contraste en paradoxe et représentait plus que quiconque sa gémellité astrologique. L'homme peut être compté à travers le philosophe et sa personnalité subdivisible, inconstante, lunaire. Jamais Paris ne vit déambuler un poème sur pattes à gueule de David de cette envergure. Deux jambes vigoureusement galbées au taekwondo soutenaient les états d'âme et la chair mal régénérée par ses nuits. Ses ennuis. Nous ne ferons pas ici l'inventaire des toccades névrotiques se concrétisant en représentations mentales autodestructives et compulsives lors de ces nuits pour le moins festives, la face explosée entre de cinglantes cymbales de granit, des revolvers sans silencieux, allégeant leur chargeur sur la sphère gauche du crâne entre le haut de l'oreille et la tempe. Des coups de sabre parfaitement exécutés, démontrant l'infini fractionnement d'un corps fini et autres joyeusetés similaires, dans le but de troquer fantasmagoriquement le sommeil par la mort, la théorie par la pratique, et oublier sa surconscience mise en abîme qui, comme un clou, s'enfonce et s'engonce, encore martelé par on ne sait quelle hasardeuse entité maudite. Parce qu'il faut bien personnifier nos malheurs pour les mieux regarder. Surtout quand on ne voit guère bien dans le noir séditieux de la nuit. Il se vivait comme une machine déréglée qui s'userait en accéléré, lacéré d'agrypnie et ferait donc sans deuil. Son deuil dans l'absorption de tous les plaisirs à sa portée. Il s'attendait, dans 10 ans, à en paraître 50, parce que la volonté conduit au sommeil comme le caoutchouc conduit l'électricité.
Nous disions quelque part qu'il entrait à l'université. Un chambardement technologique allait métamorphoser ses habitudes de la même manière que les avancées scientifiques font bouger les sociétés et leur mode de vie. Le philosophe quitta son Nokia minable au profit d'un smartphone et ce fut la découverte des applications de rencontres. Cela devait arriver, Tinder ou Tin d'heure en heure. Nous aurons moult occasions de revenir sur ces merveilles addictives qui fournissent autant de relations éphémères que de cruelles désillusions. Mais si une chose est ici à retenir, c'est que celui qu'on appellerait bientôt l'homme aux 200 conquêtes en devint expert grâce aux multitudes de femmes algorithmées jusqu'à lui. Les différentes applications, leurs nuances, comment faire bonne figure dessus et être efficace, ils étaient perfectionnés en quelques mois et la grande masse de ces relations sexuelles, nous ne ferons guère de statistiques par respect pour notre surromantisme, provenait de ces applications. Qui était pour lui une aubaine étant beau et photogénique. Quand ses rayons dardés sur la peau délicate et soutenus par l'ossature quadrangulaire et également ciselée du philosophe, le soleil ne semblait rien avoir à envier au talent de Rodin. Charmant, nous disions donc, et peu enclin à aller s'enjailler dans des lieux festifs officiels pour aller dragouiller des filles aux airs prétentieux à côté de cassos en rut, tout ce beau monde sautillant conformistement, feignant le fou rire. Peut-être aimait-il réellement ça ? C'est surtout que cela se faisait, alors il le faisait, malgré les frustrations évidentes, ne se posant pas d'autres questions que de faire ce qui se fait dans une espèce d'automatisme machinal ludique. C'est pire, malheur à eux. Il n'aimait guère sauter à pieds joints sur place le soir et payer 15 euros un verre de vodka Red Bull avec 8 glaçons ne l'enchantait pas. Les morceaux pitoyables et abominables des disques jockeys navrants de son temps faisaient honte à l'histoire de la musique. Disc jockey Snake aurait été considéré impur par tous les livres sacrés. Dragué dans la rue, depuis les Wesh et les Cassos dont le nombre s'accroissait année après année à Paris et avec en prime un léger parfum de néo-puritanisme depuis le féminisme déconstructionniste, n'était plus vécu dans l'insouciance libertaire et décontractée des 70s que connurent nos parents libertins. Il restait alors dans ce Paris idéologique mentalement ravagé, au bon sens distordu, d'hystérie, encore l'édite application de rencontre. Et ce n'est pas sans embarras que nous usons de cette laide expression qui entache, de par son aspect fonctionnel, le surromantisme mystico-névrotique dont nous abreuvons les pages et dopons notre ouvrage. Bref, l'ingénieux philosophe en usa aux grandes dames et dans l'irrespect du rythme naturel d'un cœur qui se débattait plus qu'il ne battait dans la jungle des lumières bleues, se parcellisant par ses amours numérisés, son unité se délitant dans un bouillon pixelisé. Tous ses canaux s'étaient bouchés, pas de veine, plus de regrets, et encore moins d'espoir. Telle une triste histoire. Mais ces mots sont de trop. Il s'anesthésiait de la piqûre du faux, s'attachant pour longtemps de tout sentiment chaud. À l'approche du désiré week-end, il passait le plus clair de son temps à planifier des rencontres pour vendredi ou samedi soir. Il conversait par pack de 12 donzelles, se changeait en robot. La logistique et le quantitatif superficiellement vécu prenaient le pas sur l'affluence naturelle des émotions qui se logent habituellement en un être y mûrissant au rythme de la nature. Cela n'avait plus lieu d'être. L'usine, la cognition en burn-out, le caleçon en burn-out. Bavarder, séduire, coucher, devenait pour lui un système et ses relations féminines suivaient presque toutes un schéma identique. Un verre dans un bar,
discutailliez systématiquement des mêmes sujets au même instant, avec la même intonation, pressentir par habitude les thématiques affluant au cours de débats et sachant, à force et par avance, quelle splendide réflexion tissée dans ces nuits arachnéennes lui permettrait de faire resplendir l'excentricité rigoureuse de son esprit, qui, dans ces moments creux, loin des festivités féminines, se morfondait, se prostrait, peu loquace, peu envieux de bien faire et de bien dire, que d'éloquence et d'habileté rhétorique, que d'ardeur et de souplesse à dépeindre n'importe quelle banalité lorsque cette entreprise est soutenue par la promesse de la chair. Le logos philosophique fonctionnait semblablement au pénis qui se dresse impérieusement s'il est missionné à sonder le mystère féminin, mais qui redevient la piteuse brioche que l'on sait lorsqu'il perd ses raisons que la passion connaît. De la verve à la verge, il n'y a qu'un pas. Talentueux dans les marades amicales, absurdes et les débats soutenus par l'haletante passion. Le philosophe n'a d'aventure jamais su construire une phrase dans le cadre d'un strict échange de contenu logique et fut dans l'impossibilité catégorique de composer et d'achever un énoncé loin de ses appétits. Timbre hésitant, indigent, baragouinage, absence de volonté. Son cerveau capricieux n'admettait, pour ainsi dire, point de bénévolat, tel un orgueilleux expert sûr de ses capacités. Le désir seul le rendait spontané, créatif et réactif. Cernez-vous, à travers cet exemple, l'intrication nécessaire du passionnel et du raisonnable, du cœur et de la logique. La faim pourvoit les ressources à organiser la chasse. La passion dominera toujours la grande logique qui, sans elle, n'est qu'un quadrillage gris, sans conséquence et sans animation. Tout génie dissimule un animal qui fulmine, d'où se nourrissent ses ramifications anormales et sans fin de raisonnement. Mais cela, l'exécutant pondéré ne l'entrevoit point. Pour en revenir aux demoiselles qui passionnaient qui l'on sait, il finissait donc par aller chez elles et coïter, tout avec le temps, puis la redondance lui paraissait semblable, hormis la voluptueuse petite divergence corporelle qui varie d'une femme à l'autre. Elles variaient plus par les courbes de leur corps que le tempérament de leur esprit. Tout était automatiquement mise en œuvre dans le but de tirer dans le mille. Oh, bien sûr, il fallait voir l'étalon étaler sa galbe lascive et se trémousser comme une panthère via cette anatomie ectomorphe et longiligne. Sans parler de ses bras secs et nervurés de santé sur lesquels paraissait, au moindre petit effort, sa fameuse veine serpentine hyper voluptueuse que les femmes aimaient suivre du long du doigt créant ainsi de petits grumeaux potelés au niveau du virage de l'épaule droite. Quoique que serpentine, il n'avait pas la veine haineuse et bien que panthère, il n'avait pas de tache. Il faisait rougir les miroirs et les sommiers frêles le haïssaient, couinant au rythme de sa gymnastique qu'Hercule en personne n'aurait pu mimer dans ses travaux. Il n'est point certain qu'elles le désirèrent autant qu'il ne s'aima lui-même, hélas. Cette habitude peu coûteuse qu'il avait prise avait tourné à l'addiction si bien que le même schéma répété perdit peu à peu au fil des années ses saveurs. Alors qu'il s'estimait profondément romantique, l'aspect procédurier, méthodique et routinier de sa façon d'être vis-à-vis de la gente féminine lui donnait le sentiment de ne pas coller à cet idéal romantique, ce qui le préoccupait, mais dès lors qu'il se surprenait traversé par les états d'âme que ce trouble lui procurait, il se rassérénait et se pensait de nouveau romantique, parce qu'ému et mélancolique de son innocence d'antan et du système affreux dans lequel il s'est embourbé. Son âme rouspétée produisait des sentiments affligés, créait du drame.
Il pouvait alors se comporter de façon machinale et calculatrice, tout en s'estimant poétique car attristé, et passionnément ému de ne plus l'être. Il le redevenait, comme par magie, par une simple pirouette dialectico-surromantique. Notre hédoniste, philosophe, était passionnément raisonnable et furieusement rationnel. Et il voyait l'authenticité de ces relations saccagées par la nature même de leur naissance, en souffrait. Il se voyait donc une sorte de néo-surromantique désabusé, usé, tel un ouvrier, mais celui de l'amour, par la réitération perpétuelle du même processus, et bénévole de surcroît. Son cerveau avait fabriqué toutes sortes d'astuces de cette nature pour garder une d'ensemble, et il conserver ainsi une certaine idée qualitative de lui-même, s'estimant pris par le mal des beaux hommes de son siècle. Il en serait le témoin, le porte-parole, le héros. Le héros. L'héros. Il se pensait désormais tel un oiseau de nuit voguant loin des contraintes de l'amour, qu'il ne voyait plus guère que comme un ensemble de mécanismes toujours identiques, vécus par des êtres naïfs qui n'en devinaient jamais l'absurdité du systématisme, pareil à des comédiens oubliant la fictivité du rôle qu'ils endossent. Par-dessus tout, l'amour rendait faible, et n'était aux yeux rougeâtres de son cœur qu'un surcroît de possessivité qu'ajoutait la nature au désir d'un être pour en obtenir un autre, souvent plus beau, pour fusionner à travers l'enfantement, finalité de tous les badinages et volontés uniques de l'espèce. N'en déplaise aux jouisseurs individualistes bornés qui voudraient voir le cosmos entier épouser leur égoïsme minable et irritable. Dès qu'une tranche de vérité déplaisante leur est jetée à la gueule comme à celle d'un chien repu. L'amour était, selon ses dires, essentiellement un supplément de volonté insufflé par la nature dans un être, donc pour que celui-ci ait, malgré la différence esthético-qualitative entre elle-même et celle que l'amour lui ordonnait de séduire, plus de chances d'arriver à copuler. En somme, et pardonnez l'ultra-rationalisme du processus et la pilule rouge que peut-être ingurgiterez-vous en filigrane via ces lignes, si une personne vaut 5 sur 10 et que l'autre en vaut 8, le degré d'amour sera conforme à leur différence de niveau et sera donc de 3. Au romantisme arithmétique. Pour équilibrer les chances de l'obtenir par la force s'il le faut, car l'amour est par nature obsessionnel, et mène originellement nécessairement à la violence, d'un point de vue mammiférique, amoral. Si l'on en cerne la radicalité substantielle, l'amour étant par essence dominateur et impérialiste, toute violence qui ne s'acharne pas contre l'être aimé se retourne sur l'être aimant. Ne nous parlez jamais d'amour désintéressé, c'est un leurre et le plus gros des contresens que les âmes nihilistes brandissent en guise de moraline, car elles n'ont pas suffisamment d'abstraction d'esprit et de hauteur de vue. Aucun être ne vit d'amour désintéressé, même pas Dieu, car, voyez-vous, il nous aime tant que l'on se soumet à sa volonté, que l'on fait ce qu'il prescrit. Et si nous dévions du droit chemin, c'est en enfer qu'il nous enfourne et pour l'éternité. Mais Dieu est honnête et le dit car il n'a peur de rien. Et c'est le fond véridique de l'âme humaine que nous avons transposé dans cette inflexible cruauté divine. Dieu qui aime ou qui condamne n'est que la vérité psychique des hommes, l'amour, la haine, un regard strabistique dont
les deux yeux semblent se voir, bien qu'ils ne daignent point s'entrescruter. Et Dieu, le romantique rancunier par excellence, qui se passionne pour celui qu'il torturera s'il ne suit pas les vues et les bornes de ce qu'exige le cadre, sa passion. Aujourd'hui, dans notre monde civilisé, normé, les âmes dressées, domestiquées, domptées, ne savaient plus se servir de l'amour, très peu usées de cet instrument avec virtuosité. Il n'y avait qu'à voir la niaiserie, l'aspect pathétique d'une personne qui vous aime. Elle paraîtra la plupart du temps grotesque, à vos yeux méprisable, aliénée. Quand nous en sommes pénétrés, l'amour émousse notre charisme et l'empire que nous projetions d'obtenir sur la cible de son appétit, ou alors la grise indifférence que nous inspire autrui, atteint d'amour pour nous, nous le dépose dans l'escarcelle du mépris. Ayez foi en l'amour comme vous la placez en Dieu. Il existe, mais jamais de la manière dont vous l'avez maladroitement conçu. Plus la société se civilise, plus l'amour devient pathologie mentale. Et ce constat dramatique devrait nous enjoindre à quitter prestement cette vie, voire un peu si, par-delà celle-ci, l'existence répond par chance à notre idéalisme par son prolongement en enjambant la sentence de la faucheuse. Si par bonheur le degré d'amour est identique entre deux âmes, il ne le reste jamais bien longtemps. Il est fuyant, se défile et file comme il se faufile, pareil à l'étoile délaissant derrière elle une queue scintillante, peinant tristement à en suivre la proue. Étoile filante ou spermatozoïde cosmique. L'amour eût été parfaitement fonctionnel si l'intensité des deux amants fût similaire, éternelle. Mais il n'en est rien et toute la souffrance découle de cette désynchronicité. L'amoureux, l'amoureuse doivent faire preuve de subtilité et d'une force de caractère qui doit confiner en une discipline et une pudeur martiale afin de contenir coûte que coûte une trop grande exposition de son ardente expression qui toujours est pénalisée. Dans une partie de dame ou d'échec, les pions ne doivent pas s'empresser de s'exiler dans le camp ennemi, comme les épanchements amoureux doivent rester secrets pour ne pas être perçus comme une preuve d'asservissement, de soumission et de mollesse enfin. Voyez comme l'amour ensauvage l'instinct et paradoxalement infantilise et assagit l'individu. L'ancien conquérant vénéré par sa femelle peut devenir la cible de son mépris si l'amour émascule sa vigueur. Dès qu'est en lui perçu l'once d'une détresse, dès qu'il est vecteur de fébrilité, de besoin, de possessivité lourdement exprimée, l'amour est fatalement l'auteur de la désexualisation de celui qui en est animé. Allons plus loin. Quand on aime une personne, c'est qu'on l'a déjà perdue. Si nous avons besoin d'aimer, c'est que la faiblesse est en nous. On n'aime que par insuffisance. Et soit l'on aime, soit l'on domine. On possède. Et l'on veut posséder plus encore. Se passionner pour les femmes et la séduction est un symptôme de grande santé autant que se perdre dans l'amour obsessionnel d'une femme est le symptôme d'un cœur moribond. Que tout amoureux s'inspecte, il comprendra ses défaillances. L'amour fonctionne identiquement à l'adrénaline. Il sert à doper une créature par une énergie qui lui vient en aide d'une situation inextricable. Le malheureux dopé à l'adrénaline s'échappera in extremis des cornes d'un taureau. L'affaibli, dopé à l'amour, devra accroître ses chances de posséder quand même l'être convoité. Il n'en est rien. L'amour devait être un antidote cruel et ultra-violent. La société le changea en poison en le maquillant
et les masculins. Il ne surgit que de la faiblesse d'une personne amoureuse vis-à-vis d'une autre. Et tout être dominant, une relation ne peut ressentir de passion amoureuse pour la personne qu'elle domine largement. Voilà pourquoi un monde dont les relations se basent sur la passion amoureuse est un monde de perpétuel rapport de force. Et toujours voué à voir les relations se ternir et dépérir. Parce que toujours l'un des deux aime plus que l'autre. Qui veut trouver une meilleure place au soleil, c'est-à-dire aimer lui-même quelqu'un d'autre, qui à son tour s'ennuiera avec elle, ainsi de suite. À toujours vouloir une meilleure place au soleil, on se brûle même les ailes de l'amour. Concluons cette digression passionnelle en rabâchant, radotant, affirmant que l'amour est lié à la nécessité, celle de cimenter une personne à l'autre, parce que la nature lui glisse dans l'âme l'idée que sa survie en dépend. Et le lien de dépendance dans l'amour est alors comparable à celui du nourrisson pour sa mère dont la présence à ses côtés permet sa survie. Il en est même la survivante. Et le nourrisson est l'être le plus passionnel, capricieux, intolérant, possessif et agressif qui puisse exister. Il est violent, mais sa violence, de par sa faiblesse, n'a pas de portée. À son âge, viol, amour, passion, tout cela est identique. Il mord les seins de sa mère sans se préoccuper d'un quelconque consentement. La passion dans l'amour, c'est la violence du faible. Et tout amour est une retombée, une décadence au stade infantile. Être à la fois faible et dominateur par nécessité. Voilà pourquoi l'état amoureux comporte cette ambiguïté paraissant contradictoire, qui est de rendre à la fois timide et violent, rougissant et sanguin, servile et impérialiste. C'est la résurgence de la bébéité. Si un nourrisson passionnel n'est pas dangereux, comprenez que cet état mental infantile peut légitimement être considéré comme pathologique chez un gaillard de 80 kilos. Et à la lumière de ces analyses scientifico-déromantisées, l'on peut comprendre pourquoi la passion amoureuse est coupable de millions de crimes passionnels. Si votre chat vous croque le pied parce qu'il a faim, vous trouverez cela mignon, mais s'il faisait 200 kilos, vous seriez horrifié. Il en va de même pour l'appétit passionnel humain. La passion amoureuse est l'expression maladive de la tyrannie du nourrisson. Ne fustigeons pas trop notre époque, qui, malgré ses vices, ne sera guère le paratonnerre du courroux philosophique. De tout temps, de toutes parts, de naguère à demain, jusqu'aux confins des multivers que Dieu s'amuse à broder, l'amour fut inexact et généra souffrance. Le paysan et la bergère qui croient s'aimer d'une traite jusqu'à la mort, d'une constance d'horloge, ne savent pas de quoi ils parlent. Leur ignorance est gage de leur bonheur. Ils s'affectionnent, s'aiment bien, et c'est déjà si beau. D'aucuns nous diront, mais il y a plusieurs types d'amour. Allons, allons. Nous ne déclinons pas l'amour et ses multifacettes. Nous parlions, comme l'a chopé votre clairvoyance, de l'amour passionnel et des ravages de son solstice. L'être a cette fâcheuse tendance d'aimer quand il va mal et d'indifférer dans ses moments de santé. L'amour est un trouble obsessionnel. On dit qu'il est un billard, mais pour certains, qu'un corbillard. En dépit de ces vérités incendiaires, le philosophe lui-même, en ce temps, parallèlement à ses fresques sexuelles, était obsédé par cet idéal amoureux aussi bien qu'effrayé par celui-ci quand il en pressentait le venin. Ternir son charisme, échauder sa névrose et raviver ses insomnies, ses épées de Damoclès qui aiguisaient ses frayeurs. Sa jalousie quand il aimait confiné à la pureté paranoïaque au point qu'il lui prenait, pour ainsi dire, quand il entrait
dans sa belle, de sortir de lui-même et de l'imaginer couché avec son corps comme s'il s'agissait d'un étranger, en se sentant par là jaloux d'un non-lui qui était lui. Tant ses pulsions de vertu et intentions virginales divaguaient sous la nécessité de considérer ses dulcinées comme objectivement chastes. Homme de paradoxe, esthète gorgé de contraste, il se trouvait animé des deux idéaux. Le premier cherchait dans un regard l'amour définitif. Le second mettait tout en œuvre pour le faire butiner sans être très voyant sur le butin par ailleurs, dans les premiers temps. Folle abeille et folle enfant que le philosophe et son strombézoscope. Le néologisme est douteux et ne sera guère expliqué. En lui fut déposé les germes de toutes les façons d'aimer et plus encore de l'ensemble des considérations que l'on peut avoir pour Eros, qu'il construirait le long de sa vie que le fatum voulut expérimentative. Mais le grand oubli ne sera point de rigueur à terme, car c'est en barde de lui-même qu'excelle le pieux philosophe, et d'extraire l'univers des profondeurs qu'il habite pour faire avancer l'humain comme le pétrole fut extrait de l'astre maternel pour dynamiser les entreprises de l'homme. Il ne se lassera. Voici le philanthrosèphe. Deux ou trois fois quatre ou cinq équivalaient au nombre de relations qu'entretenait notre personnage dans le même temps. Et lorsqu'il songeait, compatissant, à tous ses potes en chien, il eût aboyé avec eux s'il n'avait point eu ce privilège d'être conforme au goût de la gente féminine. Avantage qui tient à peu de choses, sinon une disposition avantageuse des traits du visage qui confère à la physionomie globale une harmonie aimable et satisfaisante à contempler. Tête compactée dont les traits semblent faire système, se serrer la main, ne pas vouloir faire bande à part, démarcation de mâchoire tranchante s'affranchissant de ce tronc qu'est le cou, agrémenté d'un menton fier et démonstratif, le tout servant de vigoureuse et protectrice assise aux étages supérieurs de la face comme une outrecuidante étrave, museau de paquebot, une bouche coquine comme un fruit rouge, double cerise croquante, à mi-chemin entre les babines dégoulinantes et l'hypu et les bouches en fermeture éclair, les fentes sèches aux lèvres disparues, Didier Deschamps. Il est préférable au nez de faire preuve de pudeur et de rectitude non zigzagante de face et de profil idéalement. Mais ajoutons à cela que l'esthétique nasale supporte un léger relevé de bout de nez qui lui donne l'aspect bienveillant des toboggans pour enfants. Quand les lèvres avancent un peu plus loin que le nez et que le menton s'affirme, on peut parler de type de visage toboganesque, que le philosophe trouvait notamment aguichante. Et les yeux doivent être pénétrants et encerclés de pommettes galbées et d'une arcade sourcilière invulnérable et fignolant souplement. En général, son dessin dans un délicat mouvement sinueux. La chevelure, finition esthétique non négligeable, doit quant à elle nous faire le plaisir de trôner. Un homme qui perd ses cheveux est un roi qui perd sa couronne. Ô sombre filament, ne nous abandonnez pas. Ou bien, ne venez jamais. Quel est ce dieu taquin qui forge un petit mâle jusqu'à la vingtaine pour, lorsque son existence organico-esthétique est optimisée, lui faire cet ultime pied de nez ?
Les cheveux parasitent-ils les ondes entre le ciel et l'esprit? Créent-ils des interférences qui justifient de les bannir à jamais? Quel peut être leur intérêt en dehors de leur affection crânienne? Où voltige aujourd'hui tous ces cheveux démissionnaires dépossédés par l'humanité au fil des millénaires? Plus de tif, plus de soutif. Dieu, qu'as-tu fait? Revenons au symétrique équilibre que nous dépeignons. Si l'harmonie du visage vu de face perdure de profil et des deux trois quarts, vous êtes un vrai beau, tel une platonicienne entité sphéroïde fidèle à elle-même, ne changeant guère au gré des points de vue. Cette beauté idéale, le philosophe l'a possédée en partie, quoique son nez de trois quarts gauche, pourvu d'une busque légère, trahissait son aspiration à ladite perfection de l'harmonie, généralisée de traits vertueux de son noble visage de belâtre sensuel. L'approchant plutôt de physique tels que ceux de Marlon Brando. Mais après tout, nul n'est parfait sauf Dieu. Et le philosophe acceptait ses imperfections dans la grande sagesse dont on le savait possesseur. Si les vulves fleuries s'ouvraient à l'approche du printanier philosophe, légions furent ses amis sans femme et parmi eux Félicien trônait haut sur le triste podium de la compassion philosophique. Pour décrire ce bonhomme, qui n'était que l'un de ses collègues, il est nécessaire d'avoir beaucoup d'inspiration. Toutes celles qu'il ne nous fournissait pas lui-même. Car tel était son défaut premier. En tout cas, celui que le philosophe, dans sa grande clairvoyance, avait diagnostiqué. Il n'était pas inspirant, et la nature, en le créant, partisane du moindre effort, n'avait accompli que le strict minimum. En premier lieu, il n'inspirait pas grand-chose aux femmes. 1,74 m d'indifférence, ce qui le plaçait, aïe, 1 cm en dessous de la moyenne nationale. 76 kilos d'insipidité, dont 5 ou 6 au bas mot de Beden, et un charisme qui peinerait presque à imposer au miroir de lui renvoyer son reflet. La vingtaine passée, Félicien s'était soi-disant fait dépuceler vers 18 ans par une fille avec qui il était resté un mois et demi. Très discret sur les détails et pourtant pas spécialement pudique, elle, philosopho, le soupçonnait d'avoir inachevé son entreprise ayant rebroussé chemin en cours de route. Apeuré par un potentiel fiasco, bref, une baisse foireuse. Peu captivant, peu curieux intellectuellement, peu imaginatif, peu sensible, peu entreprenant, Félicien était le mec moyen bof qui n'entreprenait plus rien depuis que trois râteaux sur Tinder avaient achevé d'enterrer ses ambitions érotiques. Peut-être était-ce mieux pour lui que cela lui éviterait un cocufiage prématuré, une perte de confiance, une haine de femme. Une haine des femmes démesurée, un abandon de ses études. Car plutôt bon en mathématiques et physique-chimie, il se destinait à devenir ingénieur dans les bioénergies et s'assurer ainsi un salaire plus qu'honnête, sachant qu'il commencerait, comme dirait l'autre, à 2,5 fois le SMIC. Imaginez donc seulement les conséquences qu'aurait engendré un décrochage scolaire et donc un déclassement social pour cause de déséquilibre mental et affectif à un loser des histoires de cœur, un vaincu des histoires de cul comme lui, qui n'espérait plus qu'obtenir l'espoir d'un début d'amourette grâce à son futur job. Oui, c'était fatal. Félicien était l'un des grands perdants de la libéralisation extrême des rapports amoureux. Les probabilités qu'il se trouve une copine plus tard étaient néanmoins non négligeables, mais il savait que dans le marché non sérieux des relations amoureuses, c'est-à-dire lorsqu'il y a le choix et que chacun n'est pas contraint financièrement à se trouver un concubin, situation qui n'existe de toute façon plus ou très résiduellement en France et pays similaires, nulle femme, même peu résiluisante, n'accepterait ses avances. Tant qu'il y aurait des pointures masculines prêtes à se donner de temps en temps à ces demoiselles qui se laissent charmer le temps d'une nuit, animées par l'ambition ultime de pouvoir un jour
en fidéliser un sur un malentendu. Légion furent les femmes qui traversèrent leur jeunesse pleine de cet espoir et qui, parvenues au rivage de la trentaine, habituées à gigoter sous la couette des faibles alpha et n'en ayant conservé aucun, finirent seules par égo, fierté, critiquant les hommes frivoles alors que dans la masse de ceux qu'elles méprisaient, plus d'un aurait fait leur bonheur. Les misères sexuelles des hommes entretenaient un lien ténu avec la galère affective et l'instabilité des femmes. Les beaux mâles, suscitant l'espoir chez les unes et privant les autres mâles de perspective, ne chômaient pas, conscients ou non du mal qu'ils produisaient. Cette figure masculine, le mâle, le fameux mâle alpha, correspondait bien à bien des égards aux philosophes, qui en cristallisait moult symptômes physiques, beau parleur, prestance et confiance inébranlable, découlant des innombrables expériences permises par ce physique chanceux, et enfin le moteur de toute chose, la flamme inextinguible de son désir insatiable, mère de toutes ses lubriques entreprises et de ses fantasmes vagabonds. La figure du BG fragile était le dernier espoir des femmes semi-laides, de la même manière que dans la candide tine des pays de l'Est résidait l'Eldorado du français congédié par les femmes de chez lui. Autrement dit, non acculé, la plupart des dames ne revoyaient pas leurs critères de sélection à la baisse, et ceci leur était permis grâce au féroce appétit sexuel des hommes libidineux, au physique avantageux qui, dans leur essence de mâle débonnaire et dominant, ne rechignait à peu près jamais, ayant la gâchette facile, à tirer un coup sec et efficace, boostant ainsi leur ego et leur soif de plaisir érotique immédiate et volage. Ce que les femmes laides pouvaient se permettre sexuellement sans effort avec les Apollons était impensable pour les hommes laids vis-à-vis des femmes fatales. Cette dérégulation de la nature qui permettait l'assouvissement des pulsions sans les conséquences lourdes en responsabilité qui doivent en découler biologiquement, devait son accomplissement, inévitablement, à la capote, la pilule et même l'avortement. Ajoutez à cela la lubie des bobos, de ne plus vouloir d'enfants, car cela pollue, devenant les fières branches mortes sous le regard effaré de leurs aïeux, morts pour l'espèce et le progrès du genre humain. Et vous obtenez toutes les raisons qui vous mènent à comprendre pourquoi les femmes trénassées dans des adolescences prolongées, les hommes semblablement, et cette trame narrative englobée jusqu'aux êtres de bonne volonté, philosophe y compris, accusant les coups bas d'un nihilisme fatigué, s'écharpant avec son vitalisme inflexible, le tout dans l'arène de son cœur. Ce schéma ne s'appliquait pas à tous, mais s'imposait inéluctablement aux beaux citadins des grandes villes, en particulier à ceux qui vivaient loin d'un cadre de vie traditionnel, lorsqu'ils étaient tombés dans la dépendance mortifère des lieux de rencontres festifs et des applications de rencontres. Sur un plan strictement récréatif et par un phénomène compensatoire, la solitude et la frustration des uns profitaient à la profusion et à la diversité des plaisirs des autres. Mais ce n'était point ici le sujet, car nous parlions là des hommes dont le pouvoir érotique, souvent inné, fait de l'ombre aux moins chanceux comme Félicien. Félicien, bon gars, mauvais galbe, n'est pas ailleurs, pas un personnage de ce roman. Il n'était qu'un faire-valoir de passage et ne passera pas la page. Mais dans la réalité, il ne s'en sortit pas trop mal, comme tout être copinant avec le ravissant philosophe, par transfert de charisme. Nous lui souhaitons tout le meilleur du monde, ce que ne connut point l'esprit de notre héros et les mouvements convulsifs de son âme torchon atrocement essoré par les caprices du sort. Malgré son sens aigu de la psychologie et son pouvoir d'appréhender avec hauteur les grands mouvements de son être, il ne s'était pas aperçu franchir les portes de la débauche comme l'imprudent barboteur se fait surprendre par la marée montante et ne pouvant retourner sur la berge. Ces portes, il les avait ouvertes avec une facilité déconcertante par la clé que nous connaissons tous et son trousseau bicéphale. La débauche et la romance avançaient de pair et se neutralisaient en se jurant de prendre le pas sur l'autre. Dans certaines visions, son ange gardien, cornu,
voletait avec un démon aux ailes cotonneuses. Il semblait tantôt identique et siamois, tantôt fratricide et fendu. Yeah!